Bonjour, je vous présente un magnifique voilier sur l'eau maintenant. Ce bateau a été reconditionné par Laurent. Laurent, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, s'il te plaît? Ce bateau a fait le Vendée Globe en 99-2000. Le skipper de ce bateau, c'était Isabelle Autissier, plutôt. Isabelle Autissier, oui. Ah ouais. C'est pour ça qu'il s'appelle Whirlpool. Voilà, c'est Whirlpool, c'est la marque qui a été sponsorisée par elle. Et ce bateau a été maintenant reconditionné en bateau d'école pour apprendre aux jeunes pour naviguer en mer et en grand solitaire pour pouvoir apprendre dessus. D'accord. Et alors cette maquette, elle mesure combien? Est-ce que tu sais me dire à peu près combien elle mesure? La hauteur du mât de la coque fait 2 mètres pile. Ah, 2 mètres de mât, c'est pour ça qu'il me semblait tout à l'heure géant, d'accord. Et avec la quille, elle fait à peu près 3 mètres de poussière, à peu près. Ah oui, donc en plus, tu as quasiment 1 mètre de quille. À peu près. Et le bateau pèse combien? Est-ce que tu as une idée du poids? Du poids, pas trop, j'ai jamais lesté le bateau. D'accord. Par contre, toute la partie coque est en construction bois, avec poussière en matériel traditionnel, bois, alu, poussière aussi, corde pour le poussière équipement, treuil et tout ça. Et la voile est faite en tissu de cerf-volant. D'accord. Ah, le vent est retombé, c'est dommage, tout à l'heure tu tournais bien. Comme le vent il tourne en même temps. Le numéro 92 que je viens de voir, c'est quoi? C'est son numéro de matricule de course. Mais c'est celui du vrai alors? C'est celui du vrai, tout est parti du vrai, sur photo, plan. D'accord. Et il a pas de moteur, hein? Non, tout est à la voile. Ah, il est magnifique, hein? Et dès qu'il y a un peu d'air, il prend de l'air, hein? Oui. Bah, il remonte comme les vrais, il remonte au vent. Là, il y a vraiment un filet d'air, hein? Et hop, il démarre tout de suite. Ah ouais. Ben écoute, il est vraiment très très beau. Je serais ravi de le partager avec les amis qui aiment la voile. Un petit voileux. Ah, là, c'est plus un petit voileux. 2 mètres de mât, c'est oui, plus tout à fait un petit voileux. Hein, mais il est magnifique. Hein, il peut faire la course avec le vent étoile là-bas. Je refais encore un zoom sur les décorations parce qu'elles sont vraiment superbes. Que de détails, que de détails. Comme tu vas pas trop vite, ça va. Bah écoute, je suis ravi de voir ce petit bébé sur l'eau, petit entre guillemets. Allez, est-ce qu'il pourrait me faire une petite accélération dans la risée là? Une petite risée. Hop, et voilà. Dès que le vent veut bien, le bateau réaccélère. Alors le vent est très tournant sur le bassin de la cour Roland, c'est pour ça que on a des fois des surprises. Hop, voilà, je le vois accélérer, on voit la risée arriver et hop, je le vois accélérer. Ah bah je suis content d'avoir, regarde ça. Vous verrez les accélérations, c'est impressionnant. Hein. Il fait comme le vrai. Hein. Il prend son accélération. Sauf que là tu te retrouves, tu sais plus trop comment, c'est ça qui était chiant ici. Ah, et un petit, c'est quoi, c'est un RJ65 ça en dessous? Bah, je vais le filmer. Merci, amis. Au revoir, les amis.